nous venons renouveler l'inscription nous dans le KEPR. Qui parti? Parti haïtien tête calée. Donc, nous t'es inscrit déjà ou du moins? Nous t'es inscrit déjà depuis 2012, nous t'es inscrit. Konya nous venons confirmer l'inscription nous. Ça veut dire que PHTK va participer dans l'élection? Nous participer dans l'élection à tous les niveaux. Mm-hmm. Nous préparer déjà? Oh, nous préparer. Si nous allons dans l'élection, c'est que nous préparer. C'est que nous travaillons, c'est que nous sommes candidats. On va voir nous sommes candidats dans tout le pays et nous allons dans l'élection. Nous participer dans l'élection à tous les niveaux. En termes de projet de société, qui ça PHTK a gagné comme projet de société pour vous payer? Bon, normalement, nous allons continuer la vision du président Matelien. Vision président Matelien, nous connaît c'est goumet pour tout le monde qui a l'école, goumet combattre la féminisation de la pauvreté, c'est et améliorer les conditions haïtiennes. Mars 2011, c'est une vraie date. C'était date retour, leader organisation, président Jean-Bertrand Aristide. Jeudi 18 mars, nous, 4 années après, nous venons inscrits dans CEP. Nous venons inscrits organisation politique Femi Lavalas pour la participer dans l'élection libre, honnête, démocratique et inclusive. Inscription, son première étape. Et nous avons pour nous continuer l'autre étape pour nous faire en même temps élection et mobilisation pour nous assurer nous que le processus là a mené à des élections libres, honnêtes et démocratiques. Aujourd'hui, ce qui passé là, montrez-nous que retour en fait tout bon vrai. On retour et retour président Aristide annoncé retour Femi Lavalas au pouvoir. Retour pour nous continuer toute belle bagaille nous te qu'on fait. L'école pour tous, éducation pour tous, manger pour tous, et travail pour tout le monde, et la peine en tête, la peine en vote. Et comme CEP a demandé pour parti politique qui était déjà inscrit, viennent confirmer l'inscription. Et que, comme le Conseil patriotique a toujours dit, nous tenons à participer aux prochaines élections. Donc, le parti politique a été inscrit. C'était moi-même qui ai eu mandat comme grand conseiller du parti pour m'être inscrit. Donc, je dis à nous venir pour nous reconfirmer la participation, nous, inscription en vue de notre participation aux prochaines élections. Nous allons participer dans l'élection, à quel niveau nous parlons? Le Conseil patriotique a participé à tous les niveaux. Tous les niveaux. Kazek, délégué de ville, magistrat communal, député, sénateur et la présidence. Ok, son parti qui a gagné. Bon, Rodolphe Vasil, c'est grand conseiller conscience patriotique. Et jusqu'à présent, conscience patriotique, pour qu'on fasse choix, un candidat à la présidence ouais, pour partir. Hein? Mais nous pensons que d'ici 2-3 semaines, nous connaissons qui est-ce que conscience patriotique a présenté comme candidat à la présidence. Qui projet de société conscience patriotique gagne pour le pays? Écoutez, moi-même, pas monsieur que nous portons bien, moi-même, toujours dis, le véritable projet de société pays a gagné, c'est la constitution. C'est lui-même qui trace la route pour nous, le vivre ensemble. C'est la constitution. C'est lui-même qui protège et qui montre, qui fait nos obligations pour nous protéger les droits fondamentaux de la personne humaine. Maintenant, la conscience patriotique a travaillé sur un programme politique. Un programme politique et qu'on a tenu compte du territoire, non? On a tenu compte des situations économiques paysans, des situations sociales paysans, et surtout de institutions républicaines. Je pense que c'est à travers 4 bagages, la conscience patriotique pour articuler le programme. Non? Au PL, nous toujours dit que nous voulons pour gagner l'élection et nous allons mener le combat électoral. Ainsi donc, une délégation composée des dirigeants du parti, de Whistler, de l'ancien président Vasco Ternilan, de Saint-Fort, de Franklin
et sénateur Yvel Chéri qui doit nous rejoindre, nous venons là, au nom de l'OPL, nous faire dépôt de toutes pièces que vous demandez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir d'aujourd'hui, pour l'OPL, le combat électoral est déclenché pour nous. Alors, ça qui comprend logique OPL là, que vous embarquez avec nous, pour nous aller faire le changement que l'OPL veut aller. Car, condition d'existence matérielle peuple haïtien, les pages correctes, c'est OPL avec son projet, le PSRN, et que le peuple haïtien a bas OPL ce privilège pour diriger le pays. Ça. Alors, pas grand quoi OPL, l'en bataille. Organisation L'Avenir, moi-même en tant que coordonnateur national, Organisation L'Avenir, nous devons confirmer présence nous dans l'élection pour le fait là. Et c'est une raison matérielle, nous sommes là dans le CEPA. Et il faut que nous disions encore une fois L'Avenir, Organisation L'Avenir, qui déjà présenté comme un gros parti politique dans le pays, qui croit dans la démocratie, qui croit dans l'alternance politique, et croit que, depuis, il était toujours demandé élection dans le pays. Et je dis à les partis politiques, j'ai une opportunité pour y aller dans l'élection. Nous croyons que toutes conditions sont remplies, je dis à pour partis politiques qui ont participé dans l'élection. Et nous croyons que c'est la raison ça fait que nous venons confirmer L'Avenir et participation L'Avenir dans l'élection aujourd'hui dans le CEPA. Nous sommes confirmés et participation dans nos prochaines élections. Parce que nous sommes inscrits déjà. À la mobiliser pour toute portion bien, on va participer quand même dans l'élection. À quel niveau? Tous les niveaux, on a présenté. Et période électorale là. Bon, ça va le déterminer comme nous faisons partie de groupe 22. Et nous parler chita ensemble pour nous déterminer, n'est-ce pas, un plan d'action que je peux garder au courrier parce que même si je n'ai pas dans la tête main, parce que c'est, si nous avons fonctionné en groupe, il faut nous tenir tous penchés sur le problème et jouer une solution unique.